Bonjour, ici Herman Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, on parle nourriture avec différentes approches, comme vous allez le constater. En tout premier lieu, on va parler effectivement de la semaine des popotes roulantes et la personne la plus apte à nous en parler est le coordonnateur effectivement du soutien à domicile du Centre communautaire pro-santé ici à Baie-Saint-Paul. Il s'agit de M. Yannick Searles. Et vous allez voir, popote roulante, très important dans notre quotidien en termes de services. Nous allons également, une belle nouvelle ici pour les résidents de Petite-Rivière-Saint-François. Il s'agit de la réouverture de l'épicerie locale, effectivement. Alors, ça va s'appeler en soi l'épicerie du village à Petite-Rivière-Saint-François. Et on va recevoir la nouvelle propriétaire, Mme Lison Harrison. Et enfin, bien, puisque vous le savez, on tourne ici au café Les Moulins Lafayette. Et maintenant, bien, il y a des petits changements dans le cadre de l'administration. Et on a une personne qui a décidé de prendre la relève et de relever le défi en la personne de Mme Christiane Guy, qui est la nouvelle coordonnatrice et gérante, effectivement, de ce beau café ici même à Baie-Saint-Paul. Bonne émission. Coordonnateur à domicile au Centre communautaire pro-santé ici à Baie-Saint-Paul. Bien le bonjour. Enchanté. Aujourd'hui, on a une émission un peu qui tourne autour de la bouffe. Et entre autres, toi, t'es coordonnateur pour la popote roulante, entre autres. Oui. Qu'est-ce que c'est, au juste, la popote roulante? Bien, en fait, au Centre communautaire, on a deux volets. Hein. Le volet pauvreté, on a le volet personnes âgées, soutien à domicile. La popote roulante vient rentrer dans ce volet-là. Donc, on vient livrer des repas aux personnes qui sont à la maison les mardis et jeudis. Donc, ça vient les ôter la pression de faire des repas à ces deux journées-là. OK. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les fameux food trucks, comme on appelle, là, qui se promènent dans la rue et qui sont roulantes. Non, ça serait plaisant, là, ouais. Quand même, mais non, c'est vraiment des... Nous, on portionne la nourriture, on fait affaire avec les IGA. Donc, on IGA ici à Baie-Saint-Paul. Okay. IGA ici à Baie-Saint-Paul. On portionne la nourriture dans notre établissement. C'est des bénévoles qui le font avec des employés. Et c'est livré par des bénévoles à la maison, les mardis entre 11h et 11h30. Ah, c'est là. Un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. Exactement. Là. Donc, oui, exact. OK. Donc, ça fait combien d'années que ça existe ici? Bien, la popote, de ce que j'ai pu recenser, là, elle a changé de forme à quelques reprises, mais dans les années 80, il y avait une popote qui avait été mis en place. Dans les années 80, ça date déjà de quand plusieurs même, années. On est quand même privilégié, je pense. Oui, oui. Oui. Hein? Puis il y a un besoin. Hein? On descend les mardis et jeudis. Et de ce que je peux voir, c'est que des fois, là, les gens auraient besoin plus que ça. Malheureusement, des fois, avec les effectifs qu'on a, c'est ce qu'on peut faire. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a un besoin dans la région avec... démographiquement, là, les personnes sont vieillissantes. De mettre des services comme ça en place permet... que les gens se maintiennent à la maison, à domicile. À domicile, okay. C'est l'objectif. Oui, parce que là, plus tu vis à la maison longtemps, bon, tu es moins engorgé, effectivement, tout le système, puis quand même plus confortable d'être dans ses affaires à la maison. Exactement. Il y en a combien de popotes ici dans la MRC? Est-ce que tu le sais? Il y en a une à Petite-Rivière, il y en a une ici. Nous, on dessert Saint-Urbain aussi. Donc, okay. On l'a Baie-Saint-Paul et on dessert Saint-Urbain. Ça devient comme satellite. Exactement. Alors, vous étendez votre secteur. Oui. À la Malbaie, je crois qu'il y a une popote, ça serait à vérifier, mais je pense qu'il y a un service en place aussi, okay. À la Malbaie. Okay. On aimerait bien desservir les Éboulements et Saint-Hilarion, mais faute des fois de ressources et tout ça, là, on a visé Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain comme service. C'est un départ. Voilà. Je remarque que ce n'est pas tellement loin, ça se fait assez bien aussi. Exactement. On offre aussi des fois les gens, s'ils veulent, c'est déjà arrivé, une personne aux Éboulements, on lui fait un repas, mais son enfant vient le chercher, okay. Au centre communautaire, puis est desservi à la personne. Okay. On dit que c'est quand même fait, ben, c'est IGA qui vous fournit, donc c'est des aliments de qualité. Exactement. C'est pas vrai que c'est parce que je fais affaire avec la popote roulante que j'ai quelque chose de moindre qualité. C'est un faux mythe, en fait. Hein. Nous, on fait affaire avec IGA, c'est de la qualité.
C'est des repas chauds, hein, c'est ça, c'est livré chaud. Donc, la personne le reçoit à la maison et il peut être pris tout de suite. Une soupe, un dessert et le plat principal. Okay. C'est un menu de 6 semaines. Donc, la personne peut savoir à l'avance de 6 semaines ce qu'on va livrer. Quel genre de menu qu'on y retrouve? On essaie du manger qu'on se fait à la maison. Hein? Lasagne, côtelette de porc. On reste dans le traditionnel. Les gens apprécient. Donc, on y va dans le traditionnel. Okay. Ouais. C'est des repas complets. Repas complets, exactement. Donc, ce qui nécessite soupe, mets principal et un dessert. Et un dessert. Café, mais là, ils peuvent se le faire. Café, ils peuvent le faire. Ou le verre de lait ou le verre d'eau. Oui, exactement. Dépendamment de ce que la personne veut prendre. La clientèle visée, c'est qui foncièrement? C'est des gens majoritairement âgés? Oui, majoritairement âgés, personnes âgées. J'ai du 65 à 90. Là, on a à peu près 35 à 40 clients qui prennent la popote. Sur une base hebdomadaire? Régulière. Donc, eux, c'est les mardis et jeudis tout le temps. J'ai d'autres clients qui vont m'appeler au besoin. Quelqu'un qui est en convalescence, sort de l'hôpital, a besoin de répit un peu, ça on va le faire. Même si la personne n'est pas une personne âgée, mm-hmm. on peut le faire. On a déjà eu des personnes enceintes, monoparentales, qui a besoin d'aide, on vient l'aider, la supporter au niveau des repas. Puis au niveau des familles dites défavorisées, là, c'est autre chose, c'est des paniers qui peuvent venir chercher. C'est dans notre volet du centre communautaire, dans le volet pauvreté, mm-hmm. Ça c'est la moisson. La moisson, c'est tous les mardis. Donc, c'est une base d'épicerie qu'on donne aux gens. Il faut que la personne passe par un processus. Ben, c'est pas un gros processus, une rencontre avec une intervenante. Connaître réellement les besoins. Exactement. S'il se qualifie, entre guillemets. Tout à fait. Donc, ça aussi, ça c'est tous les mardis au centre communautaire. C'est la moisson, une base d'épicerie, fruits, légumes. Il y a du canage, des pâtes. Voilà. OK. Est-ce qu'on se colle beaucoup au nouveau code canadien alimentaire ou finalement on y va en fonction de ce que IGA peut nous fournir? En fait, c'est sûr qu'on y va avec le IGA, qui est peut-être pas collé-collé sur les normes totalement, mm-hmm. mais c'est santé. C'est sûr que l'entour fruits et légumes, la personne doit en manger à l'extérieur de ses repas, mais on va avoir souvent des légumes, salades, la soupe, c'est toujours santé. Donc, on essaie de maintenir. On n'a pas de fast-food, on n'a pas d'hamburger, on n'a pas... tout est... Cuisiné, côtelette de porc. Il y a combien de personnes? Parce que là, on parle d'un OBNL. Souvent, les OBNL, ça fonctionne avec des bénévoles. Oui. Il y en a plusieurs qui gravitent autour. J'ai 6 bénévoles qui font la livraison. Donc, 3 le mardi et 3 le jeudi. Et les gens apprécient beaucoup. Ça fait des années que les bénévoles, c'est les mêmes bénévoles qui font la tournée. Quand il fait beau, c'est agréable. La tempête, c'est d'autres choses. Exactement. La tempête, que c'est remis au lendemain ou... Non. Cette année, on a jamais cancellé de popote parce que les gens sont dans le besoin. Okay. Ils attendent de la popote pour se nourrir cette journée-là. Donc, on n'a jamais vraiment... On ne cancelle pas, on sera à moins d'un gros temps. On prend un risque pour rendre service. Mais les bénévoles, ils en font une fierté hein, de se rendre, même on va dans le rang Saint-Jérôme à Saint-Urbain, de se rendre, de parler aussi, hein, d'échanger un peu avec les clients. C'est un contact, là, c'est ça. Tout à fait. Les bénévoles vont chercher ça. C'est pas juste de la livraison, hein, puis on livre pour livrer. Les gens nous attendent, donc c'est un service aussi de social. Hein. Ouais. On vient socialiser avec les gens un petit peu plus. Ce que les bénévoles apprécient. J'ai aussi un bénévole le mardi et le jeudi qui viennent aider deux employés à portionner à même nos locaux. Quand vous dites portionner, là, c'est de faire les portions, effectivement, par rapport au nombre de repas qu'on livre. Exactement. Qui cuisine? Là? C'est cuisiné directement? Directement au IGA, dans leur cuisine. C'est directement cuisiné là-bas? Ouais, nous, ils nous donnent ça en vrac. Hein. Okay. Ils nous apportent ça en vrac. Donc, la soupe, nous, on les portionne, c'est scellé. Et on est régi par la MAPAC. Donc, quand on dit de qualité, c'est important. Nous, on est vérifié quasiment à chaque année comme un restaurant. Alors, je pensais que c'était justement au centre communautaire, on reçoit la nourriture, on cuisine non, sur place. Non, c'est cuisiné au IGA et nous, on portionne, on fait le portionnement avec une selleuse dans les règles de l'ordre de la MAPAC. OK.
Voilà. Est-ce que ça prend un équipement particulier pour livrer ça chaud? Un camion avec un chariot chaud? Non, c'est les bénévoles prennent leur voiture. Véhicule, okay. On a des glacières de chaud. Exactement. Au lieu de les refroidir, on les chauffe? On les chauffe. Donc, c'est servi chaud. Donc, il n'y a aucun problème là, avec les glacières qu'on a. Okay. Je suis une personne vieillissante, je suis à la maison, j'ai besoin d'avoir des repas. Oui. Comment ça fonctionne? En fait, c'est de m'appeler directement au centre communautaire, 435-2129. Moi, je demande tout le temps de m'appeler la semaine avant de commander les repas. Donc, si vous voulez commander pour la semaine prochaine, c'est de m'appeler le vendredi. Moi, je fais mes commandes pour l'autre semaine. OK. Et là, on va déterminer le besoin, vos besoins. Mm-hmm. Si vous me dites, moi, j'en ai besoin juste pour un mois, on va y aller juste pour un mois. Si vous me dites, j'ai besoin juste les mardis, on va y aller juste les mardis. Okay. J'ai des gens que ça fait des années qu'on se rappelle juste pas. C'est livré tous les mardis et jeudis, c'est comme automatique. C'est automatique. Tant il y a aussi longtemps qu'ils sont vivants. Exactement. Et d'autres personnes, ça va être à la pièce. Donc, j'aime bien la lasagne, il y en a dans deux semaines, livre-moi en une. OK. Même j'ai des gens qui vont, certains repas, ils vont en livrer, ils vont en livrer 4-5 repas. OK. Parce qu'on sait que, bon, juste pour faire une précision, oui. C'est les mardis et les jeudis, exactement. C'est un seul repas. Exactement. Donc, on ne livre pas les mardis des repas pour la balance de la semaine ou le jeudi ou des balances de la semaine. Exactement. Non, c'est juste les mardis et jeudis. Par contre, si la personne aime le menu et cette journée-là veut en commander 3-4, on va lui en commander, elle pourra le congeler. Puis se faire des repas pour le reste de la semaine si elle veut bien. Là. J'ai aussi des gens, certaines personnes âgées mangent moins, c'est quand même des grosses portions. Ouais. Vont séparer en deux les portions, ça va leur faire un repas pour le souper ou pour 2-3 jours après. Okay. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où la demande est plus forte puis moins forte? Je vous dirais que c'est assez constant. Nous, on arrête la popote uniquement dans le temps des fêtes. Donc, c'est à l'année. On arrête 3 semaines environ dans le temps des fêtes. Je vous dirais que c'est assez constant. On a des pics, là, le janvier, février, mars. L'été, ça va diminuer. Des fois, les familles sont plus disponibles pour aider. Mais je vous dirais, là, nos pics là, sont un peu avant les fêtes puis après les fêtes. Parce qu'en réalité, ce service-là, si je comprends bien, outre le fait de dire qu'on apporte un repas à quelqu'un qui en a besoin, souvent, c'est des proches aidants qui sont autour de ces personnes-là. Puis là, ça leur donne, excusez l'expression anglaise, un break, là, une pause Exactement. Pour pouvoir, de fait, baquer à d'autres choses. Exactement. L'exemple que je peux donner, c'est que j'ai des gens, des fois, ils vont m'appeler de Québec, ils travaillent à Québec, ils restent à Québec. Leurs parents sont dans Charlevoix. Ils vont m'appeler, ils vont me dire, c'est-tu possible d'avoir des repas les mardis et jeudis? Je vais assumer les frais, mais moi, je vais m'assurer que ces journées-là, ils vont être libérés de faire des repas, parce que ça peut devenir lourd. Ouais. Ça va répondre à ce besoin-là. Hein? Ce n'est pas nécessairement des proches aidants, des gros soins, mais ça vient libérer. Parce qu'en général, c'est des personnes assez autonomes si elles vivent chez elles. Oui, exactement. Okay. Autonomes ou en perte d'autonomie. Ouais. Certains, on a déjà eu aussi des personnes avec un handicap. Aussi. J'ai un exemple, un monsieur a perdu sa femme, sait pas trop faire à manger, aime moins ça. La vieille génération était quelqu'un qui... La madame était plus dans les fourneaux que le monsieur faisait d'autres choses. Et il y a du monde qui sont pas capables de se faire cuire un œuf, là. Exactement. Et sans faire de jugement, ça vient répondre à ce soutien-là. La personne prend le service, puis ça va répondre, même si elle n'est pas malade ou si elle n'a pas... de grandes difficultés, là, ça va répondre à son besoin. C'est rare que quand tu es âgé, que tu dis, là, je fais quoi, puis je commence à me faire à manger. Oui. Et souvent, on le voit, les enfants s'en vont. La personne faire de la bouffe pour 5, c'est correct. Quand on est tout seul ou deux, c'est plus difficile. Fait que la popote vient répondre à ça. Est-ce que c'est dispendieux? C'est un service qui est très abordable. Hein. On essaie toujours de rendre ça le plus abordable. Le centre communautaire ne fait pas d'argent avec ça. Nous, le but, c'est de vraiment donner le service. C'est 7,75 livré. Taxe incluse. Taxe incluse. Tout est rentré dedans. Okay. Nous, on facture à la fin du mois. On envoie une facture à la personne. C'est payable soit au livreur ou payable directement au centre communautaire. Ou des fois, on facture directement les enfants qui, eux, vont nous payer par le paiement directement au centre communautaire. À Saint-Urbain, c'est 8 $ livré chaud
le repas. Un gros 25 sous de différence. Exactement, pour le gaz. Franchement, juste pour dire qu'il y a une petite prime à Saint-Urbain. OK. Alors, on peut, sans dire être à la dernière minute, on est jeudi aujourd'hui, j'appelle. Puis, en passant, c'est la semaine, effectivement, de la popote roulante. Oui, oui. Au mois de mars, il y a toujours une semaine où on souligne c'est quoi la popote roulante. Exactement. Vous dites, à la dernière minute, je peux souvent me revirer. Si les gens m'appellent, j'invite les gens à m'appeler pour qu'on cerne vraiment c'est quoi le besoin, comment qu'on peut mettre ça en place. Et on est très flexible dans la façon de payer, dans la façon comme je disais, si c'est juste une journée ou si c'est juste le jeudi, c'est de m'appeler, puis on va regarder ça ensemble, puis on va mettre ça en place. Alors, je pense que c'est important de répéter le numéro de téléphone. Oui, 435-2129. Demandez Yannick, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, on va mettre un visage sur le nom. Oui, exactement. Voilà, c'est lui, Yannick. C'est moi. Je vais mettre mon nom en dessous ici. Super. Bien, félicitations quand même. Je pense qu'on n'a jamais trop de services. Et comme vous dites, il y a quoi, 40-45 personnes, grosso modo, qui en bénéficient sur une base régulière. Exact. Et tout ça est abordable. Oui. Alors, c'est une très, très, très belle initiative. Puis, ça répond à des besoins. Oui. Puis, je profite de l'occasion pour vous remercier de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis, le centre communautaire est toujours prêt à c'est de nous contacter. Hein. On a plusieurs services de venir valider vos questions. On peut valider vos besoins. Puis de là, on met des choses en place. Super. Yannick, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, madame, disons Harrison, bonjour. Bonjour. On dit Harrison parce que c'est un anglophone. Oui. Bon. Ce qui veut dire que... On parle aujourd'hui d'un nouveau service qui va revenir, en fait, d'un service qui est existant, mais qui revient effectivement à Petite-Rivière-Saint-François, qui est l'épicerie en soi. Oui. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Hein? Franchement, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle, une belle course aussi, vraiment. Et on est très, très fiers de ça, mon conjoint et moi. Et là, je vous ai présenté comme Mme Harrison. Oui. Vous n'êtes pas une anglophone, vous êtes francophone. Je suis francophone, pure langue. Mais on est capable de dire que vous n'êtes pas de la région comme telle. Tout à fait. On est du lac Beauport à Québec, mon conjoint et moi. OK. Oui. Alors... Donc, vous êtes de l'extérieur. Oui. Bravo. Vous avez l'initiative, effectivement, de relancer l'épicerie, que ça faisait quoi, un an et demi, grosso modo? Un an et demi, 2017. Ah, 2017. Oui. Fait que ça commençait à urger, comme on dit. Tout à fait, oui, un besoin essentiel, surtout. Est-ce que ce projet-là, c'est comme un projet de retraite pour vous? Qu'est-ce qui fait que je vous êtes... Je dirais que oui, parce qu'on ne le voit pas comme un travail comme on peut l'être, là, fixé à un bureau ou quoi que ce soit. On le voit vraiment comme un nouveau défi, puis c'est sur ça qu'on se lance. C'est tout un défi, comme on dit. Tout qu'un défi. Mais comment est arrivé, justement, le dire « ça me tente de faire ça » Ben, écoutez, c'est une idée qui a été lancée comme ça. On est passé devant le dépanneur ou l'épicerie, puis on a vu que c'était fermé. Et puis à partir de ce moment-là, tout bêtement, on a dit « ben on l'achète-tu ». Puis ça l'a cogité comme ça, puis à un moment donné, on a vu une annonce dans le journal. Puis là, il y avait quelqu'un qui était intéressé à l'acheter. Puis on a suivi ça pas à pas. Puis au moment qu'on a su que l'édifice avait été vendu, bien là, on s'est lancé. On a dit... On a levé la main, là, on a dit, on a levé le flag, puis on a dit, nous autres, là, on est capable de relever le défi. OK. Parce que Lac-Beauport, une belle région aussi. Tout à fait, oui, mais il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs. Il y a juste un lac. OK. Alors, c'est un peu tout ça qui vous attire. Ah, la région. La région. Les gens, tout. Le fleuve. Puis les gens sont gentils aussi. Ça, c'est une chose que ça fait longtemps que je le remarque. Les gens sont avenants. Ils sont contents de nous voir aussi, même s'ils ne nous connaissent pas. Mm-hmm. Mais là, je vous dirais, il y a des démarches qui sont faites bon, pour obtenir tel et tel permis ou faire affaire aussi avec des grossistes. Les gens sont gentils. Très, très gentils. Puis moi, ça, je plonge à deux pieds là-dedans. Vous n'êtes pas insensible à cela? Aucunement. Hein? Aucunement. Dans les fêtes, avant, on appelait ça le dépanneur du coin, façon de parler. Là, oui. Là on parle d'une épicerie parce que le titre, en fait,
L'appellation est quoi, au juste? Ça va être épicerie du village PRSF pour Petite-Rivière-Saint-François. Ce qui veut dire que si on parle d'une épicerie, ça veut dire qu'on élargit l'éventail de produits offerts. Définitif. Puis, on va prioriser les produits du terroir. Ça, ça a été notre premier là, sentiment qu'on a eu quand on a su que ça allait être à nous, là, définitif. Les produits du terroir, puis après on verra pour le reste. Quand on dit le reste, on parle, bon, c'est sûr qu'il y a la SAC pour la fourniture des vins spiritueux. Mm-hmm. On veut une microbrasserie aussi. Alors, je ne dévoilerai pas tout, par exemple, non. Parce que je veux qu'il y ait un facteur un wow, de... surprise. Voilà. Parce voilà. que vous êtes dans le même emplacement. Toujours, oui. Alors, finalement, la location du lieu, elle est connue. Elle est connue, oui. Mais quand on va y rentrer, ça va être autre chose. Autre chose. C'est ça qu'on veut. On veut cet effet de surprise-là parce qu'on va réussir. Pour réussir, ça prend du sang nouveau, ça prend un autre décor. Alors, sur ça, on va être très, très, très pointilleux sur les changements. OK. Oui. Là... Ça fait combien de temps là, que vous savez que vous allez... Le 13 février. Le 13 février. Oui. Donc là, présentement, vous êtes... on dit de l'extérieur, mais là, vous avez quitté un emploi, vous, là, pour faire ça. Là. Tout à fait. Oui, là, absolument. C'est après une grosse quelques décision, années. Là. Un saut en bungee. Un saut en bungee, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, parce l'avez-vous déjà fait? Jamais. Je me trouve chicken. Je vous agace, non, jamais. Mais quand même, c'est un saut du tremplin, puis je dirais c'est très, très néophyte aussi. Vous m'auriez demandé ça, là, 8 mois, j'aurais dit, bien voyons, mais non, moi dans le domaine, mais plus que ça avance, plus que j'ai parlé aux gens aussi, mon avenir est là. OK. Puis j'attends les gens, puis je les invite les gens aussi. Parce que moi, c'est avec eux autres que je vais marcher, dans le fond. Parce que les attentes, je sais, ils en ont eux aussi, mais moi aussi j'en ai. Ça fait que je veux que les gens viennent me voir, qu'ils me parlent, qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Okay, je vais m'ajuster. On sent qu'il y a une écoute là. Ah, je vais m'ajuster, soyez assurés de ça, puis je vais aller au-devant des gens. Okay. Je vais être présente, c'est ça. Y a-t-il une date de tombée d'ouverture précise? Bien, on essaie. Bon, on s'était dit mi-avril, Pâques, on aurait adoré. Mais je vous le redis, l'histoire des permis, très, très laborieux. Alors, on essaie... On tombe effectivement dans oui, l'administration. Oui, dans la bureaucratie. Les 12 travaux d'Astérix, je connais ça. Oui, oui. c'est juste ça, dans le fond, parce que je réitère, on est tellement prêts, mais écoutez, on suit la cadence de cette bureaucratie. Si c'est pas pour Pâques, c'est... Ça sera pas loin, par pas exemple. Loin, okay. Parce que là, quand même, il y a encore un mois, là, on peut dire, à peu près, Pâques donc, et Pâques. Donc, il risque d'avoir des avancées. Définitif, par exemple. Mais pour le 10, en tout cas, pour Pâques, on va quand même continuer à travailler fort. Ça sera une surprise pour tout le monde. La réouverture va créer aussi quand même un emploi. Vous avez votre emploi, vous créez votre propre emploi et plus? Oui, absolument, oui, parce que je réitère, je vous dis, je veux être sur place, je veux parler avec les gens. C'est ça mon nouvel emploi maintenant. Alors, je demande aux gens de ne pas hésiter. Venez nous voir à l'ouverture, puis même par après. Mm-hmm. Je vous dis, je vous le redis, je ne vous dévoile pas notre plan, mais je pense qu'ils vont aimer, vraiment. Ils vont se sentir chez soi. Chez aussi. Soi. C'est important. Ici, les gens sont, entre guillemets, conservateurs. Alors, ils aiment se reconnaître chez eux. On n'a pas besoin de grandes lectures pour le ressentir. Oui. Vraiment, là, non. Okay. Puis on joue un petit peu le comment dirais-je, un autre rôle en étant à l'écoute. Hein? Mm-hmm. Tu sais, puis les gens, ils sont en confiance. Ça va pas tout le temps bien, mais moi, dans mon cas, ça va tout le temps bien. Alors, je pense que c'est les une personne gens, positive. Voilà, puis qui vont venir. Tu sais, des fois, on se dit, va donc lui demander au boucher, est-ce qu'il y en a encore? Non, on va laisser faire, on va changer notre tir. Puis, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'ils me parlent, qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je suis là pour ça. Puis, je vais fonctionner grâce à eux autres aussi. Mm-hmm. On s'en cache pas, là. Je veux dire... Mais je m'attends à ça. Oui. L'essence qui était offerte comme service va être là encore.
Bien, vous parlez au niveau des pompes à essence. Les pompes à essence. Ah, oui, définitif, on a gardé ça. Les inspections se font, c'est très rigoureux. Puis ça va rester tel quel. Il n'y a pas tellement un gros dépaysement pour les gens dans ce sens que l'extérieur de la bâtisse demeure la même. La pompe à essence est là. C'est les personnes qui sont à l'intérieur qui ont changé. Okay. Puis, on se l'a dit tantôt, le wow factor, là, je pense qu'on va l'avoir. Puis c'est sans prétention, mais je me dis ça va faire du bien du sang nouveau. Bien. Hein, qui doit être très heureux, il y a une pression de moins sur les épaules, c'est notre mère, M. Gérald de Maltais. Je lui souhaite. Je lui souhaite qu'il y ait moins de pression. Quand est-ce l'épicerie? Là? Nous aussi, on l'a entendu. Ouais, hein? Quand l'épicerie ouvre, tout ça. Puis, vous voyez, on a été choyés. Parce qu'on a été choisis aussi. Le timing, j'appelle ça de même, est bon parce que là, bon... Petite Rivière est en croissance, je dirais, surtout avec l'annonce du fameux Club Med qui s'en vient et dont la construction, elle débute présentement. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir plus de monde qui vont circuler, donc plus d'employés qui vont y travailler. Par le fait même, c'est une bonne période pour vous. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que nous autres, on ne demande que ça. Hein, je vous le dis, je dis aux gens, venez nous voir, arrêtez. Puis, à quelque part, là, vu que c'est une rue cul-de-sac, je veux dire, on est favorisés. Non. Non. Et vous avez aussi eu la chance d'avoir un soutien autant de la MRC que de la municipalité. Incroyable. Les partenaires que je dois dire qu'on a retrouvés là, qui nous ont épaulés, qui nous ont aidés à monter le projet, parce que c'est pas simple. Dire, moi, au niveau des fonds mutuels, j'en monte pas de projet. Mais là, ça prenait un genre de cahier de charge et tout ça. Merci. C'est tout ce que je peux leur dire. Je vais avoir une reconnaissance à vie pour eux autres. Parce que c'est grâce à eux. Parce que nous autres, on est des néophytes dans ça. Ils nous demandaient des choses, on les fournissait. Mais de là à dire qu'en 2019, 2021, voici le rendement et tout ça, on ne pouvait pas. Faire nous des autres. Projections. Là. Non, on ne pouvait pas. Ça nous prenait des gens d'expérience. Puis il y a des gens intelligents. C'est ça aussi, je me suis rendu compte. Des gens là, qui ont une force puis qui ont une intelligence. Je veux dire, enligne-toi comme ça, fais ci, fais ça, puis on a eu le produit fini. Okay. Alors, j'ai une redevance. Il faut le mentionner, entre autres, vous avez eu de l'aide de la MRC, mais du SDLE, du Service de développement local entrepreneurial. Je vous dirais, la municipalité, la MRC puis le SDL, ça a été, là, je veux dire, un projet tout bien ficelé. Puis c'est ça qu'on a aimé aussi parce que on veut pas commencer non plus puis dire « Oh, il manque cet élément-là ». Non, non, on veut plus de surprises non plus. Ouais. Fait qu'on a fait les choses en bonne et due forme. On a un bail qui va se signer pour la bâtisse. On n'a rien laissé au hasard pour pas nous nuire. Nous, c'est un projet de vie, hein, quelque part. Puis on voulait pas avoir des mauvaises surprises, ça nous le tente pas, ça. Nous autres, le projet, il est avancé, tout est en place pour commencer quand ils vont nous délivrer les fameux permis. On va essayer de faire de la pression, je ne sais Mais pas là, si... Mais là, en tout cas, j'espère qu'il y en a qui m'entendent. Une nouvelle députée, là, dans Charlevoix, là, on va lui jamais. Donc, c'est ça. Vous êtes, vous, présentement sur les lieux qui travaillez. Oui. Votre mari va venir vous rejoindre, j'imagine, dans tout un fait. Laps de temps absolument. Assez court. Absolument. Là, il y a des gens de la place qui... Vous sollicitez des gens de la place pour pouvoir compléter votre équipe, là. Ah, oui. On va prioriser les gens de Petite Rivière aussi. Vous savez, ça s'est parlé, c'est allé dans les journaux. Il y en a qui nous ont déjà envoyé leur CV. Là, moi, là, je suis comblée par ça. C'est un travail de public. On est au public. On est au public, puis il faut que les choses soient en bonne et due forme. Il faut que les aliments soient captivants, que les gens disent « bon, on va aller là parce que on est sûr de qu'est-ce qu'on achète ». Puis avec ça, bien, va se joindre l'équipe. Mm-hmm. L'équipe va être là pour surveiller tout ça. Moi, je veux là, que ça soit impeccable.
Ça s'oriente bien, en tous les cas. Vous pensez? Hein? Merci. Je pense que oui, là. Oui. Alors, oui. C'est ça qui est agréable. Alors, donc, on prévoyait vers la mi-avril. Bon, il risque peut-être d'avoir certains petits délais, mais tout c'est... à fait, mais ça ira pas très, très loin, là. Ça s'éternisera vraiment. Pas. Non, non, aucunement. Aucunement. On est prêt, puis on attend que ça. Puis, tous nos pions sont en place. Alors, le dépanneur, vous ne coucherez pas au dépanneur, vous, là, là? Non. Hein? Non. Je ne vous dévoilerai pas tous mes secrets, mais je ne sais pas où je m'en vais. Bon. il y a beaucoup de résidences à Petite Rivière. Sûrement que oui. Bon. Écoutez, je pense que vous avez bien choisi le village en question. C'est, oui. Il est surnommé la perle de Charlevoix. Je ne savais pas. Fait que, effectivement, les pieds dans l'eau et le doigt à la montagne. Wow. C'est le cas de le dire. Tout à fait, oui. Bien, bienvenue. Félicitations. Merci. Puis je vous dis le mot de cambronne, merde, hein, pour effectivement ce nouveau défi. Et je pense que ça va satisfaire les besoins de plein de monde, entre autres des touristes qui viennent et de la population locale. Tout à fait. Je laisse par moi aussi. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Gérante, effectivement, du Café Les Moulins Lafayette. Bien, bonjour. Bien, bonjour. C'est le fun de te recevoir sur le plateau parce qu'on vient ici de semaine en semaine sur une base régulière, à tous les jeudis enregistrer l'émission à votre service. Alors, on s'est dit, tiens, on va parler carrément à l'une des personnes qui est impliquée quotidiennement. Alors, puis je pense qu'effectivement, depuis quand là, vous êtes ici avec le Café Les Moulins? Là? Ici, on est ouvert depuis le mois de juin. Juin 2018? Oui, c'est ça. OK. Et initialement, vous étiez deux, je pense, à vouloir gérer les choses puis aller de l'avant là-dedans. Oui, c'est ça. Il y avait Mathieu Tremblay qui était gérant, puis il y avait moi, là, qui était son bras droit. OK. Et là, Mathieu, on sait qu'il a quitté. Je pense qu'il a annoncé sa dernière journée de travail. Oui, c'est ça. Était il a terminé dimanche. Dimanche donc, dernier. Pour plusieurs raisons, là, Mathieu a quitté. Puis je prends là, la relève. Tu as dit, bon, ben tiens, je suis capable. Je me lève, là, comme on dit, les manches. On se retrousse les manches, puis on va de l'avant. On va de l'avant. Toi, tu as une formation, entre autres, de pâtissière, parce que, comme tu le disais, tu as la dent sucrée un peu, puis foncièrement, tu as déjà eu un commerce. Oui. Qui était à la Malbaie à ce moment-là. Oui, c'est ça. Dans le domaine de la pâtisserie. Tu avais une spécialité, je pense. Oui, bien, dans le fond, je faisais des gâteaux là, personnalisés, des gâteaux de mariage, baptême, des pâtisseries, tout des ça. Des fêtes, des cupcakes, ça. Oui. Ah! Et qu'est-ce qui fait que ça t'attirait les desserts à ce point-là? Là? Bien, ça m'a toujours attirée. Là. C'est une passion qui a commencé là, avec mes enfants. Là. Au début, je faisais ça pour eux. Plus ça allait, là, plus les gens demandaient, plus ils les voyaient, plus ils aimaient ça. Donc, je me suis lancée là-dedans. Ça a été un 5 ans d'entreprise là, que j'ai monté là, avec mes recettes. Puis, puis là, bien, c'était le temps que je change de... Ouais. Oui. Alors finalement, l'expérience de 5 ans, effectivement, avec ton commerce, le hasard a fait que ça se termine d'un côté, mais on embarque dans l'autre projet. C'est ça. Hey. Un petit défi. Comment entrevoyais-tu ça ici? Là, je m'en viens, là, je quitte le secteur de la pâtisserie pour m'en venir dans l'aspect café. Là. Bien, écoute, bien, tu sais, pour moi, j'ai toujours été dans la restauration. En fait, pour moi, ça ne faisait pas une grosse différence. Puis moi, c'est un côté que j'ai toujours aimé, donc le service à la clientèle, là, pour moi, c'est un bon côté. Là. On avait ça en soi, là, des services oui, clientèle, ça. Recevoir le monde, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Mais en même temps, ce que je vous offre est de la qualité, c'est de bon goût, vous allez l'apprécier. C'est important tout ça, là. Oui. Hein? Là, la grosse saison s'en vient, parce qu'on est en pleine période, printemps s'en vient. Le train de Charlevoix va recommencer quelque chose comme au mois de juin, je crois. Mi-juin, oui. OK. Et pour vous autres, c'est la grosse saison qui part. Oui. OK. Et là, ben, le fait que tu reprennes seul, effectivement, la gérance ici, j'imagine que tu vas avoir besoin de personnel. Oui, bien là, c'est sûr qu'il va me manquer quelques personnes là, pour compléter mon équipe, là, des étudiants. Là, sont les bienvenus là, s'ils veulent venir travailler avec nous là, cet été. Puis un temps plein, là, idéalement. Idéalement, c'est ça. Parce que les étudiants, d'habitude, au mois d'août, ça retourne aux études. Au mois d'août, ça retourne aux études. Sauf que nous, on a encore là, une bonne saison jusqu'à fin octobre. Bien, c'est ça. Alors là, c'est plus les étudiants, là. Non. Donc, c'est d'autres personnes en soi. C'est une question de temps plein, oui. OK. On dit toujours, c'est les moulins Café Lafayette. C'est ça. C'est-à-dire,
Café Les Moulins Lafayette. Café voilà. Les Moulins Lafayette. C'est quand même un regroupement de plusieurs cafés dans la province. Là. Oui, dans le fond, nous, c'est une licence que Stéphane Matt a achetée. Mm-hmm. Donc, lui, il y a trois succursales. Là. Il y en a une à Cartier, ben, deux à Québec, dans le fond, une à Cartier. L'autre, j'ai plus souvenir du nom. OK. Puis on est ici à Baie-Saint-Paul. Ici à Baie-Saint-Paul. Fait que là, finalement, ça prend une certaine expansion. C'est ça. OK. Puis le fait d'être ici, c'est quoi les avantages qu'on a quand on vient au Café Moulin Lafayette? Genre, on voit le décor, il y a plein de peintures. Oui, le décor. On a l'hiver, on a la patinoire en avant. On a, tu sais, l'hôtel Le Germain, le train qui arrive. C'est tout le temps beau, là, quand ça bouge. On sort un peu du cœur de Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, ça grouille de vie. Il y a toujours de la vie. Mais en même temps, ce qu'on vit ici, c'est pas nécessairement le cœur de ce qu'on vit à Baie-Saint-Paul. Non, 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 c'est différent. Hein, on a les champs derrière. On peut prendre une bonne marche pour s'en aller au Bois-Éduqué puis revenir. Oui. Prendre un bon café, pourquoi pas? C'est bon, ça. C'est bon, ça. Avec le sourire, comme ça, avec imaginez. Avec le sourire. C'est le sourire que vous allez avoir quand on va venir ici pour prendre un bon café. Avec un bon sourire. On voit que je ne suis pas très à l'aise. Hein? C'est pas plus grave que ça. Alors, finalement, présentement, on est à peaufiner davantage le transfert. Le mois de juin s'en vient, la grosse saison. Mais ici, on est ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. C'est ça, pour l'instant. Jusqu'à la mi-mai, là, je vous dirais, là, on va commencer à ouvrir 7 jours semaine. Là, 7 jours dépendant, semaine, là, okay. De... Puis les heures d'ouverture, foncièrement, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches? De 8h à 16h. Bon. Puis on va recommencer. On pourrait même venir déjeuner. Oui, oui. Ah. Oui, oui, prendre un bon café, une viennoiserie. Le café, c'est le café de la brûlerie Charlevoix, qui est juste à côté ici. Sur la rue Sainte-Anne. Oui. Une bonne réputation. Oui. Le monde l'apprécie. Oui, vraiment. Puis, c'est ça. On a des croissants déjeuner, on a des muffins, toutes sortes de viennoiseries là, que les mm-hmm. gens peuvent venir prendre le matin. Et le midi, ben là, on peut ajouter. Oui, on ajoute. On a soupe, salade, une variété de sandwich. Des quiches. Finalement, c'est pas ouvert juste aux touristes, là, les gens non, de Baie-Saint-Paul non, peuvent non, venir. Non, non, oui, c'est hein? Ouvert à tout le monde. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, on le voit. Oui, oui. De plus en plus, là, on réussit à approcher le local là, pour qu'ils viennent voir. Génial. Bien, je te dis bonne chance, puis longue vie, effectivement, à cette bien, nouvelle merci. Expérience-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, une autre émission qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Comme vous savez, on enregistre à tous les jeudis ici au Café Les Moulins Lafayette. Si ça vous intéresse, pendant l'enregistrement de notre émission, vous pouvez venir prendre un café, une viennoiserie ou même prendre un petit repas. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 418-435-5134. On s'arrangera pour vous mettre à l'horaire dans l'une de nos émissions. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt et surveillez-nous, bien sûr, comme à l'habitude, sur les ondes de TVCO. Au revoir.